Après gros opération qui était faite vendredi passé dans l'hôpital universitaire Mibaleya pour te séparer avec succès des tifis siamoise, maman yo t'est accouché tout collé en novembre 2014, équipe médecin haïtien qui réalisait intervention ça qui faite pour la première fois dans pays a t'est dans auditorium université Fondation Jean-Bertrand Aristide Unifa Jeunet Madia pour partager avec étudiants faculté médecine yo expérience ça. Médecin Sayo, c'est docteur Henry Ford, médecin américain d'origine haïtienne, chirurgien en chef dans Children's Hospital Los Angeles aux États-Unis, docteur Jerry Bitter et Marlon Bitter, deux frères qui sont chefs département chirurgie dans l'hôpital Bernard Meuse, et puis docteur Vanessa Rosier, responsable service pédiatrie et nutrition dans San Gisquio. Docteur Ford, qui était dans tête équipe médicale là, déclaré après opération ça, deux bébés jusqu'à présent en bonne santé. Il a poursuivi pour le dire, pas gain aucun risque pour Timoun Sayo, pas ta continuer vivre normalement. C'est grâce à bonne collaboration qui t'est gagné dans l'équipe là, gros opération pour séparer Cécile à Moisio, Michel et Marian réussi d'après docteur Henry Ford qui était dans micro Emmanuel Tolembrina et Delson Garcin. La question c'était est-ce qu'il y a une possibilité pour Timon Yuta capable survivre et puis si toutefois c'était une possibilité ça qui ça peut ta faire pour préparer pour avoir plus belle chance possible pour survivre. Bon, aussitôt que vous voyez sonographie en moins pour tout ça qui a passé et puis m'analyser tout résultat avec l'autre monde de Los Angeles et nous décider que oui, il y a une possibilité pour Timon Yo cap survivre. Mais l'essentiel c'était pour nous capable de kimber grossesse sans faire marcher jusqu'à ce que j'étais capable de coucher vers 36 semaines. Parce que si tu as couché, si maman t'a accouché bien avant ça, chance que c'est que Timon Yo t'a tellement prématuré, il n'y a pas de survivre. Nous avons avec toute une équipe le 21 mai et puis nous montons en balai. Mes collègues de Bernard Meuse, de Gesquio, de Mion Ballet, nous font réunir, nous font pour nous garder dans quel contact, nous font simulation pour nous garder comment l'opération va passer, pour nous garder si vraiment nous sommes prêts. Et franchement, c'est un moment très très fier pour moi, comme haïtien, pour nous dire que la collaboration, ça vient permettre que nous ajouter, que nous accomplissions vraiment un défi qui était presque impossible. C'est peut-être ça me penser que nous avons un peu pour célébrer aujourd'hui. C'est collaboration qui fait bien ça marcher et c'est collaboration qui a fait nous avancer secteur santé dans le pays. Comment est-ce que Timon ça Timon est très bien. Non seulement il a mangé pour contre, il a quitté soins incentifs.